Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Cameroun Magazine. Ronaldinho en larmes. Cette fois-ci, l'ancienne gloire du football n'est pas dans de sales draps et ce ne sont non plus des larmes de tristesse, mais de joie. Ronaldinho n'a pu cacher ses émotions lors de son intronisation au temple de la renommée World Soccer. Le Brésilien a reçu le prix spécial pour son immense contribution au football. Il est intéressant de noter que le prix a été remis par une autre légende, Blaugrana. Même dans mes rêves les plus fous, je n'imaginais pas vivre ça un jour. Être aux côtés de tant de légendes, j'ai toujours rêvé de gagner des titres, de gagner des matchs, de marquer des buts, mais vivre cela, je ne l'ai jamais imaginé, a déclaré le joueur de 41 ans lors de son discours. Ronaldinho, c'est 94 buts et 71 passes décisives pour le compte du FC Barcelone entre 2003 et 2008. Il est également vainqueur de la Coupe du Monde. Fabio Cannavaro, Raúl et Roberto Carlos sont également entrés dans le Wall of Fame du magazine mardi. Restez connectés sur Cameroun Magazine pour la suite des informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.